Salut, nouvelle vidéo en toute simplicité, à même le sol, on est entre potes. Je n'ai même pas mis les projecteurs tout à l'heure. Je suis allée faire un petit tour chez Action parce que je suis donc en train de faire, comme très certainement énormément de personnes, la déco à la maison. Mon sapin est déjà fait, quasiment. Mais je souhaite cette année décorer un petit peu ma maison. Alors pas toute la maison, pas en mettre partout, non. J'ai un escalier et j'aimerais donc mettre des éclairages un petit peu partout, des escaliers, un petit chemin de table, ce genre de choses. Vous verrez le résultat dans les vlogs, notamment dans le vlog de demain qui sortira si ça vous intéresse. Et on va commencer tout de suite. Voilà. Ça change quand même quand t'as pas les projours, hein. C'est beaucoup moins lumineux. C'est beaucoup plus brut, quoi. Bon, allez, on a dit que c'était tranquille. Ceci, il s'agit d'un chemin de table. Ils en font beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, pour le coup, là, on est vraiment, vraiment dans le thème de Noël. Les pommes de pin, le feuillage, les rondins de bois. Je compte le mettre, de toute façon, vous allez voir, sur ma grande table. Je ne vous ai pas donné le prix. Composition de Noël. 5,98€ pour aller avec. Évidemment, il me faut des éclairages. Les vraies bougies, c'est pas mal, mais par protection, je préfère parce que j'ai quand même un chat. Et puis, même si on oublie des petites bougies LED, ça fait le job, c'est très très bien. Tea light, alors il y a même une télécommande si tu veux tout programmer, c'est drôle. Il y a juste, j'ai demandé, les piles sont déjà dedans. T'as juste à tirer la languette, nous en avons 10. Donc 3 pour le chemin de table et je vais en avoir besoin pour d'autres petits photos forts ou même peut-être pour décorer l'escalier, on verra. Donc ce kit de LED, 5,95€ les 10 LED. Je me rends pas compte. Est-ce que c'est vraiment cher? Je sais pas. Pour décorer mes escaliers, j'avais pas vu, donc eux ils le présentent, regardez comme ça, tout autour d'une cheminée, c'est joli. Et j'avais même pas fait gaffe, j'étais en train de chercher justement des LED pour mettre dedans, mais elles sont déjà incorporées. 2,70 m elle fait, elle est assez grosse. Alors je suis désolée pour les variations de lumière, mais ça c'est le désavantage, j'ai envie de te dire, quand tu n'utilises pas tes éclairages. Mais bon. Je vous ai dit que c'était la bonne franquette. Et il y a 35 LED. Combien m'a coûté ce chemin de guirlande? Moi, je pensais trouver des petits bouts que je pourrais enfiler. Là, c'est vraiment en une fois. Donc, évidemment, comme il y a une LED dedans, je ne vais pas pouvoir couper. La guirlande, elle coûte 7,49€ quand même. Mais ça sera réutilisable tous les ans. Des piles, hein, pour notamment ça, pour d'autres éléments. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Enfin, je crois. L'autre fois, je crois que ça avait payé genre ça, 7 ou 8€. Là, c'est 2€. 2,69€ les 10 piles. Dites-moi, je pense qu'on est mieux là. C'est moins dans l'excès. Je continue. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de grandes feuilles séchées. Ça fait comme des feuilles de palmier. Pareil, pour venir décorer ta maison. Et ça, c'est pas forcément connotation noélique, hein. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser toute l'année. Notamment, ça peut être très très joli dans un grand vase, comme ça. Grand vase à pied. Pourquoi pas? Combien m'ont coûté ces feuilles? Non, 7 feuilles, parce que je crois qu'il n'y en a qu'une. Ils appellent ça la branche déco métallique. 1,98€. Branche déco métallique. Pourquoi métallique? Bon, bah, branche déco métallique. Je continue. Bah, papier, hein. Papier cadeau. Notamment pour continuer mon calendrier de l'Avent. C'est demain. Demain, nous sommes le 30, ce qui veut dire que demain, je dois l'offrir. Et il reste encore 14 cadeaux à emballer. Donc celui-ci, tout mignon, avec des petits cœurs. J'adore. Par contre, j'ai un doute, hein. Chez Action, là, autant chez Jiffy, le papier nickel, c'est-à-dire que le scotch tient bien, là... Il peut y avoir des surprises. Papier cadeau 55 centimes. Ceci, même si tout ce qui est déco d'art, enfin j'en ai plein plein plein, j'ai juste pris ça parce que ça sera carrément dans l'ambiance générale, les couleurs de mon sapin qui sont couleurs, on va dire, bronze. Les suspensions, donc c'est 1,65€. Je continue avec un petit carnet tout joli, rose. Poudré, bonbon avec ça, très chic, doré. À l'intérieur, nous avons des lignes, ça va être utilisé sans problème. Ils avaient en noir, ils avaient en bordeaux, en bleu, enfin
plein de couleurs, avec ou sans écriture, enfin sans message, je le préférais comme ça moi. Le blanc était très chic, mais il y avait un message. Carnet de notes, fermoir aimanté, oui, 1,96€. Ce tapis, il existait 3 modèles, j'ai pas longuement hésité. En plus, et je viens de m'en apercevoir, c'est un motif qui est complètement raccord avec... Oh, en parlant de ça, il faut vraiment que vous regardiez mon vlog de demain, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai refait même la déco, là où, vous savez, il y a les rideaux, l'entrée, parce que comme j'ai installé le sapin, il a fallu que j'enlève le lampadaire que j'ai mis dans l'entrée, mais c'est tellement beau. Donc, ce tapis qui rappelle, dans l'entrée, j'ai des paniers, voilà, de ce côté-là. Ce sont des petits, hein, 50 par 80 cm. Franchement, je sais pas encore où. Quoique, si, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Si ça colle, bah pareil, hein. Vous verrez ça demain dans l'installation. Tapis Paris coton. 3,99€ le tapis. Voilà, c'est tout pour mon petit haul action. Si vous me suivez pas encore, donc bah, on va attaquer les vlogmas des demain, après-demain. Même si je fais déjà du vlog, hein, quotidiennement, quasiment. J'espère que ce petit haul... En toute simplicité, vous aura plu. Je viens de me rendre compte pourquoi je ne mettais pas souvent ce beau chemisier. Il m'étouffe. Je ne supporte pas quand ça m'étouffe. C'est vrai que les cols roulés, tout ça, je ne suis pas très fan. Il est très joli, hein, mais il faut vraiment supporter. Bref, je m'échappe. Bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me rejoindre parce que bah, on va avoir toute une série de vlogs à venir. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à demain. Salut.